Monsieur Lockman, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Et vous m'entendez? Oui, parfait. Très bien, c'est parfait. Monsieur Lockman va nous présenter un quiz d'imagerie ostéo-articulaire. Nous aurions aimé le voir avec nous, mais pour une indisponibilité de santé, il va nous faire la présentation en distanciel. Alors, je rappelle que c'est un quiz qui comporte trois prix à gagner et que les résultats de ce quiz vont nous être présentés par Monsieur Lockman en session 5 entre 17h15 et 17h45, donc pour rester ici pour les résultats et pour avoir vos prix. À vous la parole, Monsieur Lockman. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, merci infiniment de m'avoir convié à votre journée. C'est un honneur pour moi de participer avec ce quiz. Donc malheureusement, pour des raisons enfin, de santé plus de positivité Covid, malheureusement récente, j'ai pas pu venir. J'espère qu'on aura l'occasion de participer, enfin de vous voir. À d'autres occasions. En tout cas, j'aurai vraiment l'honneur de revenir donc à Marrakech ou ailleurs. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, donc à travers ce quiz, il y a 10 cas d'imagerie ostéo-articulaire. Alors, moi, je suis radiologue spécialiste en imagerie musculo-squelettique, donc ostéo-articulaire, à Paris. Allô? Oui, j'ai juste un complément d'information pour la salle. Alors, vous voyez un lien qui est affiché. Prière d'accéder à ce lien pour les présents, pour répondre, pour pouvoir accéder au quiz et pour répondre au quiz. Donc, voilà le lien que vous voyez ici, www.science-event.ma.arm. /ARM. Et juste appliquer, enfin le lien, vous l'avez sur le programme, appuyez sur le lien et vous aurez directement l'accès à la grille de réponse. Monsieur Lockman, excusez-nous de ce retard, on laisse juste le temps à la Il n'y a salle pas de de. souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de C'est bon. souci. Non, pas encore. Quelques secondes de connexion. Donc, sur le programme, vous avez ce lien, cliquez dessus et vous aurez la grille. Non. Utilisez le code QR que vous avez au verso de votre badge pour accéder au programme et de là à l'application. C'est bon? Je pense là qu'on peut commencer. À vous la parole, Monsieur Lockman. Ok, très bien. Donc, on va commencer. Donc, 10 cas, quelques cas qui sont faciles, d'autres difficiles, mais ça sera l'occasion de vous revoir quelques points sémiologiques intéressants en imagerie ostéo-articulaire. Donc, on commence avec le premier cas. J'espère que vous êtes bien connectés pour pouvoir répondre. Donc c'est un homme de 55 ans qui a eu un scanner du genou pour bilan d'une fracture du tibia. Et on découvre des images condensantes. Je vous montre les images. Donc, coupe scanner, reconstruction coronale et axiale, ici passant par tibia fibula et par le fémur. Donc, bon, il y a la fracture du plateau tibial externe, mais il y a aussi des images condensantes qui sont découvertes de manière fortuite. Ça arrive fréquemment, mais avec, vous voyez, un aspect particulier. Donc, je vous laisse voir les images et je vous donne tout de suite les propositions. Donc, A, c'est des métastases de prostate. B, une sclérose tubéreuse de Bourneville. Et C, une ostéopoétie. Donc, je laisse quelques secondes pour répondre.
pense que c'est bon. Donc, on peut passer peut-être au cas suivant. Donc, on a 10 cas. Le deuxième cas, tuméfaction de la face dorsale du carpe. On n'a pas plus de renseignements. Pour laquelle le patient a eu une imagerie IRM, donc une coupe axiale. Ici, passant à peu près par la région carpométacarpienne, par la jonction carpométacarpienne. Donc, on voit cette tuméfaction de la face dorsale du carpe. Et de FATSAT, T1. Séquence T2 étoile, donc T2 en écho de gradient. Une séquence T1 après injection de gadolinium et saturation du signal de la graisse. On voit cette image de la face dorsale du carpe. Les propositions. A, TCG, tumeur à cellules géantes. B, ténosynovite focale. Et C, aucune réponse correcte. Cas numéro 3, douleur d'installation rapide. Ça va, c'était pas très rapide. On peut continuer. Douleur d'installation rapide de la ceinture scapulaire gauche. Il faut bien lire le texte, le renseignement clinique. Coupe IRM, du coup, coronale, T2 FATSAT et axiale T2 FATSAT. Sagittal, T2 FATSAT et T1. Donc vous avez vu les anomalies musculaires. Le tableau évoque A, un DOMS, B, une atteinte plexique et C, un syndrome canalaire, compression du nerf suprascapulaire. Cas numéro 4, homme de 34 ans, douleur de l'épaule gauche. Également une IRM, donc coupe axiale et coronale T2 FATSAT. Bon, l'anomalie se voit. Une coupe sagittale qui passe par le tubercule majeur, donc coupe très très latérale. En T1 et en T2 FATSAT. Le patient ramène également ses anciens examens que je vais vous montrer, donc une image du poignet, donc en T1 et en T2 FATSAT, en axial et en coronal. En gadolinium, donc il montre à peu près les mêmes images. Et même, il avait même fait un scanner. Sur une autre coupe de l'IRM, donc, qui passe par ici la deuxième rangée du carpe en axial et ici par l'articulation radio-ulnaire distale, donc on a ces images. L'aspect évoque A, une origine mécanique, B, une origine microcristalline et C, une origine rhumatismale. Très bien. Cas numéro 5, une femme de 67 ans qui a une gonalgie mécanique, donc pas plus, et qui a cette IRM du genou. Sagittal T2 FATSAT. Avec du coup ces images pas tout à fait normales des tissus mous. Un zoom avec cette séquence T2 FATSAT sur ces images. Sagittal T1.
Et axial, T1 FAT 7 après injection immédiate de lignol. On voit ces images musculaires. L'aspect évoque A, une parasitose, B, une sarcoïdose, C, une lymphangiomatose. Cas numéro 6, homme de 47 ans, scanner pour suspicion d'embolie pulmonaire dans le cadre d'un malaise et on découvre une anomalie de la septième côte droite que je vais vous montrer. L'équipe axiale, donc la côte droite en question est là. Ici, les coupes coronales, la jonction costo-vertébrale. La côte en question est là, donc elle est différente du restant de côte. Et puis une coupe oblique, coronale oblique dans l'axe de l'arc postérieur. On voit la côte qui est différente des autres côtes. Très bien. Les propositions. A, une origine mécanique. B, une maladie de Forestier. Et C, un SAFO. Très bien. Cas numéro 7, un homme de 23 ans, gonalgie bilatérale antérieure mécanique, et sur une des IRM des deux genoux. On a cette image qui a été mise en évidence. Donc ici, compartiment interne, donc on reconnaît le ménisque médial. On a cette image qui est la question, qui est le sujet de la question. Donc en sagittal T2 FATSAT, en axial, donc le condyle médial, cette image, en T2 FATSAT, en T2 étoile, écho de gradient. Après injection de gadolinium et saturation du cylindre de la graisse, on retrouve cette image. L'image évoque A, un corps étranger, B, une SVN, donc synovite pilonodulaire, et C, un hémangiome synovial. Il y a un cas numéro 8, traumatisme du pouce. Donc on ne sait pas si c'est ancien ou récent, mais c'était comme ça sur la demande. On a la radiographie du pouce. Donc c'est plus la phalange distale qu'il faut voir. Donc une incidence de face, légèrement de 3/4 et profil. L'image évoque A, une fracture de la phalange, B, une sarcoïdose, C, une polydactylie. Je vais peut-être un petit peu rapide, je vous montre. Très bien. Cas numéro 9, donc avant-dernier cas, homme de 72 ans, congolais en France depuis peu, et qui souffre d'arthropathie des mains, des pieds, des chevilles, des genoux, des coudes depuis 15 ans. Il n'a jamais été traité, qui se présente même avec un flessome des deux genoux, et on a les radiographies standards que je vais vous présenter, donc les genoux. Alors on voit qu'il est bien en flessome parce que les condyles, les sillons intercondylaires est très profond, donc il est en flexion des genoux. Donc ici, sur une incidence de face. Ça, les genoux de profil. Les pieds de face.
une des deux mains de face. Les images évoquent A, une arthrose évoluée, B, une atteinte microcristalline, C, une atteinte rhumatismale. C'est la question standard à chaque fois qu'on fait des maladies articulaires. Très bien. Dernier cas. Découverte, là, cette fois-ci aussi, de manière relativement fortuite, d'une image du corps de T7 chez un homme de 67 ans sur un scanner thoracique au début, qui a été ensuite complété par une IRM. Donc, cette image en coupe scanner sagittale, reconstruction coronale et axiale. Nom d'une IRM, sagittale T1, T2 FATSA, T1 FATSA après injection de gadolinium. Eh bien, les propositions A, plasmocytome, B, dysplasie fibreuse, C, maladie de Paget. Très bien, donc c'était le dernier cas. On reverra les cas avec les corrections et les réponses en fin d'après-midi. Merci, docteur Lokman Tahiri. Et on vous attend dans la cinquième session pour les réponses commentées de ce quiz. C'est parfait, c'est très bien. Au revoir. Merci beaucoup. À tout à l'heure.